Bonsoir à tous les gars, c'est Maxiut59 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, c'est la première fois que je sors sur une vidéo comme ça. Je vais vous montrer les investissements que j'ai réalisés, voilà, qui sont vraiment à la portée de tout le monde, hein, ces petits budgets pour les TOTS avant l'arrivée des TOTS. Voilà pourquoi, parce que je pense qu'EA va nous sortir des SBC. Voilà, à chaque fois EA sort toujours des SBC pour recycler entre guillemets les joueurs qui vont être packés. Donc à mon avis, on va avoir des SBC assez intéressants à faire. Où il faudra des joueurs avec des grosses notes, enfin voilà, au moins 82, 83 de notes. Où je vous ai préparé trois équipes, voilà, pour trois types d'investissements différents. Donc c'est parti tout de suite. On commence avec la première. Donc ce sont vraiment les moins chers du marché déjà. Pourquoi? Les 83. Les 83, on se rappelle, il y a eu des périodes dans l'année où voilà, là tu les chopes à 2000 crédits, en gros entre 2000 et 2005, en tout cas dans la sélection que je vous ai faite. Après, évidemment, il y en a des plus chers, mais c'est pas le but de sortir des plus chers. Donc, on se rappelle que par moment, on était à 6-7 000 crédits le joueur de 83. Donc, pourquoi pas avoir ce cas de figure-là pendant la TOTS. En tout cas, ils ne descendront pas en dessous des 2 000 crédits. Donc, dans tous les cas, vous serez gagnant. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se mettre très, 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 très bien avec ces joueurs. Donc, vous avez vraiment fait une équipe qu'avec des joueurs 83. Donc, je vais vous les montrer un à un. Tu vois, comme ça, vous allez avoir les prix. Je les ai achetés aujourd'hui. Alors, soit ce matin, soit tout à l'heure, juste avant les grosses affiches. Voilà. C'est les prix PlayStation 4, bien sûr. C'est vrai que sur Xbox, sur PC, ça peut varier un petit peu. Ça va forcément varier. Donc voilà. Du coup, voilà. C'est vraiment les prix PS4. Donc, Reyna à 2100, Perrin 2005, qui va être intéressant aussi, peut-être pour le futur SBC de Mbappé. On en reparlera après dans la deuxième équipe. Forsberg. Quaresma, vous voyez, hein, c'est 2000 crédits. Consigli, j'ai chopé à 1600 crédits. Et encore, j'ai pas cherché à gratter des crédits parce que j'aurais pu tenter de les avoir en enchère, spammer un peu en tech 59. J'aurais vraiment pris les premiers, voilà, les moins chers qui venaient et c'est tout. Donc, il y a moyen de gratter des crédits en plus. Franchement, vous pouvez les choper à 300, 400 moins chers en enchère, je pense. Donc, Gamero 2004, Aradé, bon, lui, je penserai pas à 1008. Giuliano à 2000. Summer aussi, c'est dans le même prix, je l'avais déjà dans mon club, mais je l'ai acheté, je l'ai mis sur la pile des transferts d'ailleurs. Donc, Gerstein aussi, Bonaventura 2005, Schneiderlin 2002, BPL c'est toujours intéressant, Bastos aussi, on est à 1008, Promesse 2000, Musacchio 2002, hein, Jovinko 2004, vous voyez, c'est vraiment pas cher, Biglia aussi, il est dans les mêmes tarifs, Baumann aussi, Saul 2005, Rulli, voilà, c'est dans les mêmes prix, hein, Adrien Silva aussi. Lopez 1009, et voilà, on revient déjà à Reina. Donc c'est comme ça vous fait vraiment une liste de. Bah du coup, vous avez quoi? Il y a quoi? Il y a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous avez 23 joueurs notés, 83 que vous pouvez acheter et investir dessus. Ce sont les moins chers du marché actuellement sur PlayStation 4. Donc, deuxième team, voilà, c'est Invest avec 3T en plus. Voilà, on est dans l'originalité en termes de nom d'équipe. Pour les investissements, donc encore des 83, je vais vous les remontrer aussi un à un, puis après je vous parlerai des autres cartes. Donc Idrissa Gueye, Nzonzi, hein, 2200, Balotelli aussi, hein, 2000 crédits, Keita, Owedes, Mandzukic, Carvalho, hein, vous n'hésitez pas à faire pause, hein, ou à revenir en arrière pour voir bien le nom des joueurs, en tout cas, mais bon, c'est quand même des joueurs assez connus là, Pastore Casillas, Banega, Pereira, et voilà, maintenant on arrive à la deuxième partie. De la vidéo, enfin pas de la vidéo de l'équipe, en tout cas là je vais mettre le Giroud que vous avez pu voir dans la fin de vidéo du SBC des grosses affiches. Donc pourquoi je vous propose les cartes bleues? Parce que on a tous pensé qu'EA allait sortir un SBC, voilà, il allait nous sortir la TOTGS, la TOTKS, pardon, ça ce sont les joueurs de la TOTGS. Ça n'a pas été le cas et l'an dernier on avait des SBC à faire pour packer des TOTGS ou des TOTKS, pardon, en utilisant des cartes comme ça, donc EA ne l'a pas fait. Quelle est la philosophie d'EA? EA, quand ils te sortent des cartes spéciales, il y a toujours un moment dans l'année où ça va servir de ouf dans un SBC pour les recycler, voilà. Pour qu'elles soient vraiment utilisées, parce que clairement, excusez-moi, avec qui joue avec Canales, qui joue avec, bon, peut-être Cocorine, je dis pas. Llorente, il y en a plein, voilà. Il y a plein de joueurs qui vont être recyclés, et EA, je pense, qu'ils vont nous sortir, peut-être pour le Mbappé ou un truc comme ça, genre, il faudra 4 joueurs dans un défi, 2 dans un autre, ou voilà. Et elles sont vraiment au plus bas. Moi, je les avais achetées vraiment la semaine où elles étaient sorties, donc ça fait un moment qu'elles traînent dans mon club. Mais maintenant, si vous regardez, elles sont montées jusqu'à 25-30 000. Et là, vu que les TOT GS, non, TOT KS, putain, je vais y arriver, ne sont pas sorties comme l'an dernier, et bah, elles se sont pété la gueule. Donc c'est clairement le moment pour investir, les gars. Alors, en prenez peut-être pas 15 000, mais prenez-en une, deux ou trois. Voilà, vous voyez, elles sont à 12-13 000 crédits.
Il y a moyen de se faire plaisir. Les Man of the Match, je pense que c'est quand même intéressant d'investir. Genre Berisha, je l'avais paqué, mais il est à 9000, 9000 crédits. Ouais, 12 000. Ouais, 12 000 crédits, donc c'est pas cher. Et pareil, le petit Giro 87, un boost 87 à moins de 50 000 crédits. C'est quand même assez intéressant, les gars. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, je m'en sors même bien parce que j'ai eu un peu de chance parce que il part plutôt à 58 000. Et en enchère, j'ai réussi à le choper à 49 250. Donc il y a des belles affaires à faire en ce moment. Je voulais remonter un 1 quand même, les joueurs. Mais bon, si vous allez voir l'équipe, il y avait Llorente, Canales, Cocorin, Tosun, Silva, Rigoni, Freuler. Je ne sais pas, mis j'ai Stones aussi, mais il est un petit peu plus cher. Il y a aussi notre ami Stones. Non, qu'est-ce que je fais? Alors, STO. Voilà, il est là, le petit Stones 82. Voilà, je l'avais acheté aussi. Donc n'hésitez pas à investir là-dessus, je pense vraiment que ça va valoir le coup. EA, comme je vous dis, a toujours fait en sorte de sortir des équipes qui utilisaient des joueurs sortis par le passé. L'an dernier, les moustaches, et ça partait dans un SBC. Les TOTGS étaient partis. Enfin, tout, voilà, tous les joueurs étaient partis dans des SBC derrière et avaient vu leur prix augmenter de façon assez importante. Alors maintenant, dernière équipe, je vous propose quelques 84, les moins chers du marché aussi. C'est toujours intéressant d'avoir des 84 dans son club. Donc, on va commencer là-dessus. Vous voyez, Gomez, c'est moins de 5 000 crédits la carte. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont un peu plus de budget. Tu peux investir sur du Gomez, Aduriz, Horn, Burki, Jonas, Asenro, Dzeko. Voilà, avec ça, t'es sûr que t'es pas trop mal. Et ensuite, j'anticipe parce que l'an dernier, on avait eu aussi, après les trophées UNFP, les meilleurs joueurs de chaque ligue, enfin voilà, le meilleur joueur de la Ligue 1, un peu comme en BBL ce qu'on a actuellement avec Mané. L'an dernier, on a vu Cavani, et le meilleur jeune c'était cette année en BPL. L'an dernier, c'était Mbappé. Et à mon avis, cette année, on part très clairement. Le meilleur jeune, c'est sûr, ça va être Mbappé. Je vois pas un autre jeune qui a été aussi monstrueux que Mbappé. Après, le meilleur joueur, ça dépend. Vu que Neymar est blessé, est-ce qu'on va remettre Cavani? Est-ce qu'ils vont nous mettre Neymar? Je pencherai quand même pour Neymar, mais bref, voilà. Moi, je vais vous proposer, voilà, une petite team qui va servir, parce que si, pour moi, Mbappé, c'est sûr. Donc, tous les boosts de Ligue 1, c'est intéressant de les prendre. Donc, voilà, t'as du Lienard, du André, Aouar, Cabella, Pléa, voilà. Donc, je les avais achetés un peu avant. Là, ils ont un peu augmenté, parce que ça, je les ai achetés la semaine où ils étaient dans les Team of the Week. C'est vrai que j'ai investi un peu, ça fait un bon moment que j'investis, hein. Chaque semaine, j'essaie d'investir, même si ça ne sert pas tout de suite, je sais que je le vendrai toujours un petit peu plus cher. Et à ces gens-là, notez 84, 87, 85, qui sont intéressants. Alors pourquoi Baldé Diao, pourquoi pas imaginer un OTW dans le SBC, vu qu'il y a, voilà, c'est un genre de Monaco OTW, pourquoi pas pour Mbappé, nous referons une équipe avec Monaco, donc pourquoi pas investir dessus, il ne coûte pas très cher. Lo Celso aussi, un boost de Paris, ça peut toujours servir. Et là, c'est les joueurs les moins. Enfin voilà, c'est les plus grosses notes en Ligue 1. Donc, t'as du Di Maria, t'as Souba, t'as Glick, t'as Dani Alves, t'as Falcao, t'as Verratti, Fekir, Lopez. Voilà, je pense que ça peut vraiment être des joueurs intéressants à investir. Et après, t'as Baldé Diao et Lo Celso. Voilà, puis bon, je vous les ai déjà montrés, mais je vais vous les remontrer. Et quelques boosts français, hein, tu peux prendre n'importe lesquels. Hein, donc, pas forcément français d'ailleurs, mais je vais vous montrer ce que je crois que j'ai. N'importe quoi, je sais pas du tout ce que je vais faire, c'est pas grave. Liga Conforama, niveau spécial, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, il y a du Sidibé, Roussillon, bah non, Roussillon non, il y a Nolan Roux sur lequel j'avais investi aussi, bon après j'ai un peu moins de choses, il y a Cazerie aussi que j'avais packé, qui peut servir, bref, donc n'hésitez pas, il y a aussi voilà, le Mbappé 85 que j'avais pas mis dans l'équipe, ah bah c'est lui que je voulais mettre à droite, j'ai oublié de le mettre. Bah oui, il est intéressant, pourquoi? Parce que bah, on l'a vu, hein, l'an dernier il fallait déjà des boosts et cette année encore ça se confirme, donc il faut une version boost de sa carte, donc moi pareil, hein, je l'ai acheté il y a un petit moment, maintenant il est plutôt à 215-220 000, moi je l'ai chopé à 188 000 et bah voilà, en prévision de faire son SBC, comme vous voyez, il est plutôt à 230 000 qu'autre chose, donc voilà, c'était, mais bon, c'est encore intéressant de l'acheter, je pense, donc n'hésitez pas à investir dessus. Bref, voilà. C'était Maxiut59. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je pense que si vous investissez sur les joueurs que je viens de vous proposer, donc en tout, donc il y en a 23, voilà, ça fait 70 joueurs en gros que je vous propose d'investir. Il y en a un peu pour tous les budgets avec le Mbappé en plus cher, les 84 boosts et les 83, 82 qui sont assez intéressants aussi. Enfin non, 82, j'en ai pas proposé d'ailleurs. Bref. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je ne demande pas souvent, mais bon, voilà, un petit pouce bleu. Et puis bah voilà. En tout cas, on se retrouve très très vite certainement. Je vous dis demain ou après-demain, on risque d'avoir le dernier SBC pour récupérer le dernier joueur swap deal. Fut échange, j'en ai que 11 de dispo pour l'instant.
On attend le 12e, donc comme ça je pourrais valider mon petit Baldedio. Bref, en soit vous en zappez très certainement. Donc c'était Maxus59, je vous dis à très très vite les gars, portez-vous bien, et like and sub.